je vous souhaite à toutes et à tous une très belle après-midi à Hirzweiler. Et je pense que pour certains, ça va remémorer des souvenirs et puis d'autres vont découvrir. Voilà. Une cinquantaine d'habitants de Walschbronn fait le déplacement aujourd'hui à Hirzweiler pour fêter les 50 ans de leur jumelage avec cette commune de la Sarre. Pour l'occasion, Hirzweiler inaugure sa nouvelle place de Walschbronn. Depuis des décennies, se sont tissés de vrais liens d'amitié entre les deux communes, des liens initiés par Joseph Bubel et Karl Wagner. C'est pendant la guerre, une majeure partie des habitants de Walschbronn, après la Charente, ne pouvaient pas rentrer. Et donc, ils ont été placés dans des fermes, dans le Saulnois, dans le pays de Sarrebourg. Et là, en l'occurrence, ils ont été placés à Foucré. Et donc, malheureusement, les gens là-bas ont été chassés de chez eux par l'armée allemande. Et les gens de Walschbronn ont continué, on les a obligés, je dis bien obligés, de s'occuper du cheptel et de produire pour le Reich. Et en l'occurrence, donc, un responsable allemand et un responsable français. Et donc les deux responsables, eux, rapidement sont devenus des amis et ont fait abstraction de beaucoup de choses. Romain Scheidler et Martin Weber sont les petits-fils respectifs de Joseph Bubel et Karl Wagner. Le 30 avril 1972, lorsque Karl Wagner, alors maire de Hirzweiler, et René Bourgoun, maire de Walschbronn, dévoilaient cette stèle, les mamans de Romain et Martin étaient enceintes toutes les deux. Les deux compères ont donc l'âge du jumelage. An und frei, wir kennen uns tatsächlich schon, ja. Ja, vielleicht keine 50 Jahre. 49 sind es. 49 Jahre sind im Prinzip waren wir richtig ja. Noch kleine Jungs. Ja. Ja. Bon, alors les familles ont de toute façon, depuis le début, Kontakt, comme dit avec le grand-père qui a fait le raccordement des deux familles. Voilà. Et ma mère, par exemple, elle va au moins une fois par an chez sa copine, ici à Hirzweiler. Si l'on comprend qu'une amitié puisse durer, ce qui est particulier ici, c'est que les deux initiateurs aient réussi à engager leurs deux communes à se rencontrer et mettre en place le jumelage. Il faut dire que c'était vraiment une telle amitié, elle était tellement profonde entre ces deux gens. Et comme il faut dire aussi que justement le Karl Wagner, son grand-père, a donc... dynamiser la chose et à emmener vraiment la commune de Hirzweiler à Walschbronn. Romain et Martine ont chacun un fils du même âge. Ce sera à eux de prendre la relève et perpétuer le souvenir des pionniers du jumelage. Et notre plus grand souhait, c'est que cette amitié soit entretenue et cette flamme soit entretenue par les générations futures. Pour cet anniversaire, la stèle dévoilée en 1972 a été déplacée sur la place de Walschbronn. À Walschbronn, une stèle a aussi été installée il y a 50 ans sur la place du village. À quand une place de Hirzweiler à Walschbronn? Ça sera dans la continuité. On ne va pas attendre 50 ans, hein, mais il y aura un moment où on baptisera aussi un endroit qui nous est cher, place de Hirzweiler.